Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Tuyotte. Donc voilà, je vous fais une petite vidéo. Aujourd'hui, c'est pour vous faire voir des petites erreurs qu'on peut faire avec la calculatrice hein, quand on va passer de l'écran de calcul au programme Tuyotte. Il y a plusieurs types d'erreurs qu'on peut faire. Par exemple, quand je veux lancer Tuyotte, j'ai deux choix qui s'offrent à moi. C'est de faire la touche PRGM et d'aller sélectionner Tuyotte dans le menu. Une fois que j'ai programme Tuyote, j'appuie sur Entrée et là ça va me lancer le programme Tuyote. Ok? Alors ce qui peut arriver c'est qu'ici sur la page de code PIN, donc normalement je dois rentrer mon code PIN, faire Entrée pour valider. Si je quitte à ce moment-là, je fais On, quitter, j'arrive sur cet écran-là qui est divisé en deux. En fait ça c'est un écran divisé en deux, mais là vous avez toujours votre écran de calcul. Si vous montez, vous verrez qu'en fait, ça reste un écran de calcul, sauf qu'il était divisé en deux. Donc, écran de calcul et tableau graph, donc les graphiques. Voilà, c'est un écran qui est divisé en deux que vous pourrez modifier. Vous pouvez le remettre soit en un écran normal en allant dans le menu mode, ou soit vous pouvez relancer Tuyot à partir de là, en fait. Soit vous le resélectionnez dans votre historique. Vous allez bien sur programme Tuyot 5. Faites entrer et vous refaites entrer pour relancer Tuyote. Alors, deuxième erreur qui peut arriver, on quitte, voilà. On fait quitter, on est toujours sur notre écran divisé en deux. Cette fois-ci, je vais pas, cette fois-ci, je vais vous faire voir qu'on peut aussi le lancer sur programme Tuyote 5. Voilà. Alors, ce qui peut arriver quand on est dans l'écran de calcul. Alors, je fais entrer, ça le relance. Voilà. Donc, voilà, je requitte. Ce qui peut arriver quand on est dans l'écran de calcul aussi, c'est qu'on lance Tuyot 5 et que juste avant, en fait, on avait quelque chose d'écrit dans l'écran de calcul. Alors, par exemple. Donc, quand on va lancer Tuyot, qu'est-ce qui va se passer? Comme notre ligne, il y avait déjà une instruction. Programme Tuyot s'est ajouté à l'instruction. Alors quand je vais faire entrer, je vais avoir une erreur de type de données. Donc je vais quitter et je vais pas réussir à rentrer dans Tuyot. Alors si si vous faites pas attention, voilà, à ça, vous pouvez rester bloqué comme ça pendant un certain moment, surtout si vous êtes dans l'écran divisé en deux. Alors l'écran divisé en deux, on a vu que si on lance Tuyot 5, c'est pas grave, hein, ça se relance automatiquement. Il n'y a pas de souci. Ou alors sinon, on va dans le menu mode. Alors ça, je vais vous faire voir comment ça fonctionne. Alors on fait mode. Tout simplement, on descend ici jusque plein écran. Donc c'est la ligne ici. Plein écran, horizontal, graph table. Là, en l'occurrence, on était sur un horizontal. Donc on va faire entrée. Et on voit que là maintenant, hein, on est sur plein écran. Donc là, on refait touche bleue, touche mode pour quitter. On se retrouve dans l'écran de calcul. Soit on fait des calculs, ou soit on va dans notre historique en montant avec la flèche directionnelle du haut. Hein? Donc voilà, pour ce petit tutoriel, des petites erreurs qu'on peut rencontrer quand on utilise à la fois le programme Tuyot et à la fois l'écran de calcul. Ciao les amis, à bientôt!